Bon, on se fait quoi? On se fait un sport du coup? Alors attendez, est-ce qu'il y a la sauvegarde? Les Daniels, ça s'appelait? Ah non, c'est la planète qui s'appelle la planète Daniel, d'accord. Ah oui, c'est ça. Alors, putain, quel enfer. Ok, c'est oui, on avait un thème. Vous vous souvenez, on avait un thème. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. C'est qu'il y a d'autres civilisations qui apparaissent. Mais les autres civilisations, elles ont pas de thème. Une tribu de votre espèce a bâti une ville sur un autre continent. Partez à leur conquête tant qu'ils sont faibles, ou tentez d'en faire des alliés. Let's go. Ça nous change les idées. Qu'est-ce que je peux faire après? Ah, il faut que je fasse des maisons. Alors, comment on design une maison? Ah ben, je sais, hein. Pas s'emmerder, hein. Il nous faut un thème. Je suis désolé à la modération, mais il nous faut un thème. On va mettre une porte, là, quand même. Mais une porte. Attendez, il faut le faire plus gros. Je le mets comment? Plutôt en poire ou en pomme? C'est le bâtiment, hein, je veux dire. Let's go. C'est la cheminée, bien sûr. Ok. Ça fait un peu penser à Dragon Ball. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est banal, hein. Moi, je vois pas ce que... Après, si votre imagination, elle voit des trucs tordus, j'y peux rien. C'est vraiment, on a 11 ans, quoi. Sur... C'est vrai, on a 10 ans sur ce stream. On est là à faire... Ouais, de nichons. Ok. Donc... Ah, merde. Il faut... Attends, parce qu'il faut qu'on aille ramasser... Oui, voilà. Il faut qu'on aille ramasser ça. Ah, mais il y a une ville à côté. Ah bah tant pis, ils sont morts. On est censé... Bon, je sais pas, je les attaque. Moi, je voulais pas faire la guerre. Souvenez-vous, j'étais contre. Ouais, moi je suis contre la guerre, mais c'est la guerre qui m'a choisi. Faudrait que je fasse un truc... Faudrait que... On peut faire le thème, le corps humain. Mais d'une manière générale, le corps humain. Du coup, genre, on pourrait faire une rate ou un intestin. On dirait une quille, mais c'est pas du tout le... Voilà. Hop. Ensuite, on met un autre tube au milieu. C'est un peu technique, hein. Félicitations aux gens qui reconnaîtront. Par contre, ouais, je suis obligé de le faire comme ça. Bon, c'est pas grave. Même chose de l'autre côté. Mais c'est pas un utérus, qu'est-ce que vous racontez? Par contre, ça se met dans l'utérus. Et franchement, j'ai ouvert une image, c'est une photo. Je vais mettre de la décoration quand même. Voilà, genre là, c'est joli, comme ça. Il y a un petit côté dieu viking, effectivement. Je vais mettre un rétroviseur sur la maison aussi. C'est bien pour regarder derrière. Des pics, ouais, au cas où, pour que la main... Ouais, bien sûr, si quelqu'un va de la maison. Hein. Peut-être on peut mettre des cheminées, là, comme ça. Ah yes, des cheminées qui crachent des confettis. Ça, c'est utile. Attends, est-ce que je peux l'écraser, genre, et faire un truc... Voilà, un truc comme ça. Ouais, je peux faire ça. C'est censé être un parc d'amusement, là, le machin que je crafte. Je mets une porte. Pour entrer. Vas-y, regardez, je mets des fleurs. C'est juste le fun. C'est Steriland. Voilà. Ah, c'est classe, là. Attendez, non, ça, je vais prendre autre chose. Voyons comme ça. Ah, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui manque, là? On a fait le complexe, il nous faut l'usine. Mais d'abord, on va attaquer les gens à côté. Voilà, vous noterez que l'épice, voilà. Donc maintenant, il est temps d'attaquer les voisins. Ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est un autre mec, ça. Bon, on attaque, hein, c'est pas grave. Let's go. Attends, dénazifier tout ça. Voilà, regarde-moi toutes ces fleurs. Toutes ces fleurs de nazis. Hein. Ah bah attends, merde! Je vais laisser le monstre faire ça, faire le boulot à ma place. Alors attends, comment ça marche? Oui, putain, c'est vrai, c'est Mais en fait, non, je suis con, il faudrait que j'aille récupérer de l'épice. Faudrait que ce soit ça mon... Je vais aller récupérer l'épice, là. Quel jeu de ouf, hein, quand on y pense. C'est Dune, en fait. Bah, c'était inspiré de Dune. Ils sont évidemment inspirés de Dune. Il n'y a plus des jeux comme ça, maintenant. Ils avaient essayé... Personne n'a jamais essayé de refaire ça. Ils se sont même pas dit, tiens, genre, on peut tenter éventuellement de... Alors que pourtant, sport, c'est vraiment le jeu a été reconnu comme étant un jeu de ouf de manière universelle. Après, le jeu sport est pas ouf, en vrai. En vrai, c'était ouf parce que c'était un truc procédural. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, y a des mecs qui sont encore à l'âge de pierre. Vas-y, faut les écraser avant qu'ils se développent. C'est pour ça qu'on a massacré les Indiens. Sinon, qui sait ce qui aurait pu devenir? Horrible personnage. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer la tourelle en premier. Ah mais voilà, regardez, ils sont en train de se faire attaquer par un gros strum. On va en profiter. Voilà. Ils sont en train de vivre Godzilla le film. Alors attends, je crois qu'il faut que je fasse des usines. Mais d'abord, il faut que je la design, l'usine. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est le dernier bâtiment qu'il faut design. Je vais essayer de faire un visage, mais vraiment un truc dégueulasse. Voilà, attends, ça c'est la... Je fais une tête, voilà, c'est pas mal. Alors attends, les cheveux, comment on fait? Est-ce que sinon on lui met un truc à la Timmy sur la tête là? Attends, là ça fait un peu casque de chantier, ça peut peut-être le faire. Si, regarde, casque de chantier là. Les yeux, on peut mettre des fenêtres, ça c'est pas mal. Mais il faudrait que je le fasse plus réaliste. Attends, est-ce que je peux faire ça pour les yeux là? Attends, je le mets plus petit peut-être. Comme ça il hallucine, t'sais. Je cherche ce qui pourrait être pas mal pour la bouche. J'aime pas ça pour la bouche. Là ça fait des lunettes là un petit peu. Remarque, ça va avec le casque de chantier, du coup. Ah ouais, une moustache. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme...
Non, pas celle-là. Mais non, attends, je veux dire, c'est pas fini. attendez, calmez-vous. Il nous manque juste le dernier élément. Voilà, il nous manque juste le truc au-dessus, là. Voilà, comme ça, il a l'air un petit peu étonné. Ça, ça sera les oreilles. Je mets la trachéotomie, là. Ça, c'est une porte. Franchement, je suis non ironiquement satisfait de ma création. Stylé, en vrai, non, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est vrai, il a une tête à s'appeler Dédé. Je suis d'accord, on va l'appeler Dédé. Faut acheter une usine. Comment ça marche? Comme ça. Oh putain, quel enfer. Cette ville qui n'a aucun sens, où t'as l'impression qu'on a arraché des morceaux de gens, t'es... C'en est où la guerre, là? Ah bah voilà, enfin. La diplomatie a triomphé, encore une fois. Ok. Vous avez conquis cette ville militaire par des moyens militaires. Elle conserve sa spécialisation militaire. Militaire. Ok. Ah, y'a quelqu'un qui m'envoie un message. Votre nation est trop grosse. Je t'emmerde. Qu'est-ce que c'est? Et il y a quelqu'un, votre ville est attaquée, défendez-la en disposant des tourelles ou en ajoutant des bâtiments en renforçant le moral des habitants. Non, on s'en fout, bien qu'on a d'être en liberté déjà. Alors attends, je fais comment? Tourelle, mais j'ai pas assez de sous. Mais pourquoi ça clignote là? Le monde doit s'unir autour d'une seule et même foi. Non, je sais même pas si c'est utile de faire des maisons en vrai, attends. Si je fais ça, voyons. Je peux pas, pourquoi les maisons elles sont plus chères? Les maisons, elles sont plus chères que mon complexe. Ah mais c'est pas vrai, mais tout le monde s'est uni contre moi, là. Pourquoi tout le monde me fait la guerre alors que j'ai rien demandé? Je suis attaqué par la nature, en plus. Ton drapeau doit être trop grand, c'est pour ça, oui. J'ai la ref. Alors, du coup, alors, attends. Là, maintenant, faut que je fasse des... Voilà, c'est ça. Ça, et ça. Et là, normalement, ça va produire de ouf, là. Bon, vas-y, je me suis fait poutrer mon armée. Pas grave, on va la refaire. Top 10 des phrases que Vladimir Poutine a dit récemment. Ça dit quoi, le bonheur, là, dans cette ville? Un de bonheur. Ouais, faut que je mette un stérilé. Voilà, c'est bon. Vas-y. On va se regrouper. Et après, on va attaquer la grosse ville tous ensemble. Et là, il me faut... Par contre, il y a 5 bonheurs. Faut que je mette des usines. Faut que les gens, ils aillent bosser un peu. Pourquoi c'est détruit? Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Pourquoi ils ont foutu des fontaines? Mais dégagez avec vos merdes, là. Déjà, alors attends. Parce que là, il y a ma ville qui est attaquée. Mais à quel point elle est attaquée? Ah ouais, elle est bien attaquée, en fait. Mais qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi tous ces gens, là, qui m'attaquent? Non, ça va, ils se font défoncer par mes tourelles. C'est bon. Ah, et le rouge, il a décidé de me casser les couilles. En même temps, le rouge, je suis en train de lui exploser sa ville et il vient m'exploser la mienne. Pourquoi il fait ça? Attends, faut que je surveille. Parce que si je vois que ça monte trop... Ah, ça commence à monter un petit peu. Ah, vas-y, on va les défendre. Avec le pouvoir magique, là, je... Pouvoir de fille! Je sais pas ce qu'ils font. Ah, vas-y, ça monte à toute vitesse. Ah, je vais perdre ma ville. Vas-y, attends, si je perds à sport, c'est la 11. Ah, ça y est, la cavalerie arrive. Mais il a 50 000 unités! What the fuck? C'est bon. Ça gère. Enfin, ça gère... On gère. Je vais mettre... Ah, super, j'ai mis le truc d'invincibilité au mauvais endroit. Bien, GG. Ok, c'est bon, vas-y. On a craft. On a pu juste dégager une seconde pour crafter des véhicules. Qu'est-ce qu'ils font, là? Vous allez où? Il rend ouf, le... Ce jeu, il rend ouf. Je crois que je me suis fait prendre toutes mes épices. Mais le rouge, il est trop vénère. Le rouge, il craft 50 000 unités à la seconde. Ok, c'est bon. Allez, vas-y, il faut que j'aille récupérer toutes mes épices que tout le monde m'a volées. Trop belliqueux, je pense. Non. Ça, vraiment. Regarde ça! Ça sort d'où, ces unités, là? Ah, ça, j'aime pas quand dans les... J'aime pas dans les jeux quand les l'ennemi te sort des unités du cul, comme ça. Regarde ça! Ça continue à arriver! Ça continue à arriver, c'est fou! Ah, enfin. Vas-y, j'ai pas une bombe, là. La bombe. Allez, ça suffit maintenant, hein, vous me faites chier. Allez! Parce que j'essaye de les assécher économiquement, mais ça marche pas. Ça y est, j'ai enfin la paix. C'est bon. Putain, ça met longtemps à redescendre, par contre. Tes villes produisent peu, donc tu construis moins d'unités qu'eux. Ouais, peut-être. Attendez, il y a les bleus qui me... Le monde doit s'unir. Vous apprendrez la vérité. Ah, ça y est, enfin. Je suis désolé, moi je voulais pas faire la guerre, hein. C'est vous qui m'avez obligé. Hein. Vous avez conquis cette ville religieuse par des moyens militaires. Si vous conservez cette spécialité, ciblez les villes au moral bas pour convertir leurs citoyens. Ouais, non, mais ça prend du temps. Hein. Convertir un citoyen, ça prend des jours. Hein. Lui tirer une balle à la tête, ça prend une seconde. Ah bah c'est pas faux. C'est vous avez rien à dire à mon argument parce qu'il y a rien à dire à mon argument en fait. C'est tout, c'est que j'ai raison, quoi. Ouais, c'est pas la phase la plus intéressante du jeu, hein, clairement. Mais là, on a presque fini. Contrefaire la phase espèce en entier. Bah, la phase espèce, non, là, on va finir la phase civilisation. Et puis après, on verra si on a la... Peut-être on jouera un petit peu à la phase espace, mais je sais que la phase espace, elle est trop chiante, quoi. Par contre, là, il me faudrait des bateaux. Je comprends pas pourquoi j'ai pas de bateaux encore. C'est à quel moment que je suis en... Ah, bah voilà, je peux avoir des bateaux, quoi. Alors, un bateau. Voilà, on fait un pédalo. Parce qu'un pédalo, ça ressemble un petit peu... Ah, je peux pas en mettre deux. Ah, ils sont chiants.
Je peux pas en mettre deux collés l'un sur l'autre. Attends, un canard en plastique. Est-ce que j'arriverai à faire un canard en plastique? Il faut un truc comme ça en bas. Oh, le bec, on peut mettre ça. Après, il faut des yeux. Ça, par contre, les yeux, ça va être compliqué. Mais le problème, c'est qu'il... Le problème, c'est qu'il veut forcément... Attends, oula. Ulysse, nous avons perdu le chemin de la Terre. Attends, non, comment... Oh putain, ça c'est cursed. Ok, attends, on va peut-être le grossir un petit peu tout ça hein, pour un... Ah, regardez, on dirait un poussin obèse, j'adore. Attends, il faut réussir à faire un truc un petit peu cursed. Voilà, genre, il faudrait que ça ressorte un petit peu. Par contre, pourquoi je peux pas le déplacer? J'ai l'impression que je peux pas le déplacer de gauche à droite, je suis obligé de... Ah ben non, parce que je peux pas faire d'asymétrie. Ça veut dire qu'on va être obligé de lui mettre un seul gros œil comme ça. Ce qui est pas pour me déranger après, je trouve ça un peu dégoûtant. Ah mais il faut lui mettre... Il faut penser que ce truc doit naviguer aussi. Parce qu'il faut lui mettre des éléments pratiques aussi, hein, quand même. Peut-être qu'on peut le cacher. Voilà, je le mets comme ça on le cache, là. Le truc, c'est qu'il faut qu'il ait des armes aussi. Il faut que notre poussin, il ait des armes. On peut lui mettre un... On peut lui mettre deux canons latéraux, genre Angry Poussin, quoi. Il y a un petit côté Thor Tank, effectivement. Un thermoréacteur, non, ça, non, c'est pas cool. Bah, sinon, ça, hein. Des ailes de chauve-souris, hein. Comme ça, là. Que vous en pensez pour l'aérodynamisme? Alors la question c'est, est-ce que on lui met également un lance-missile sur la tête? Non, ça fait trop. C'est trop. Sinon on lui met comme ça. Ça c'est pas mal ça. Voilà, les missiles en noir. Non, les missiles en rouge. Vas-y, le Nuke Duck. Ils sont trop cool. Avec leur petit truc. Juste terrifiant. Ah, ils se font atomiser, ils se font one-shot quoi. Les mecs ils sortent de leur truc, ils se font one-shot, regarde. Il y a les bleus, ils nous ont pas attaqué. Mais on va le faire. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on a les avions. Let's go. Un pigargue, ouais, ça va être compliqué de ouf, attendez. Un pigargue. Je regardais juste si dans la page de Google Images, il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet qui remontait quand on tapait pigargue, mais non. Juste déçu, quoi. Voyons. Parce que avec ça... Ça, c'est pas mal pour faire effectivement un bec. Après, bon, on peut faire plus un goéland, quoi. Au pire, on fait un goéland, quoi. Attendez, bah, j'essaye de faire un oiseau. J'essaye de faire un oiseau. Résultat non garanti. Hein. Je le fais de mémoire. Vous savez quoi? Je regarde même pas de modèle. Il y a un petit côté, genre, le grand condor de... À bord du grand condor qui percute les cités d'or. Je vais lui ajouter un cul de plus en plus petit, genre, pour faire la croupe. Ah mais il bat vraiment des ailes. Ah mais c'est cool. Alors le truc c'est que je ne peux toujours pas en mettre deux, hein. Ça je suis toujours obligé d'en mettre qu'un. Ah je peux pas l'incruster, putain. Et celui-là? Peut-être le moins pire en fait. Vas-y, on va faire ça. Ah le clito, quoi. Putain, il faut des armes. Là. Comme ça. Hop. Let's go, ça c'est pas mal. Oh, ça ressemble à un oiseau un petit peu, quoi. Vas-y, je mets ça pour le décor. Let's go. Allez, on le peint. On peut prendre ça de base. Et on lui fait la tête blanche. Petit côté Jules Verne un petit peu. Ensuite, il nous faut un petit bec orange. Les ailes marron, ça va, on peut le laisser. C'est pas mal. Il y a une idée. Il y a un truc. Nathalie. Je l'avais. Je lui donne un petit nom féminin. Au hasard. Il s'appelle Nathalie avec sa face de citron et ses yeux bridés. Je vous ai raconté la terrible anecdote où j'ai sorti ça à quelqu'un dans une convention qui n'avait pas la ref et je me suis senti terriblement mal. C'était vraiment un immense moment de solitude comme j'ai rarement eu dans ma vie. Vraiment très très compliqué. C'est, parce qu'évidemment j'ai sorti ça à une jeune fille asiatique, tu vois. Parce que sinon, blague, the joke don't work. Et elle m'a regardé avec des yeux comme ça. Genre après j'étais en mode non mais t'as pas la ref. Secours. mais vous devriez tous avoir la ref hein. Par contre ça ne devrait pas être possible de ne pas avoir cette ref là quoi. Mais merde. Toi tu t'appelles Nathalie avec des yeux bridés et ta face de citron. C'est toi idiot, c'est Jean-Mitan mais elle s'appelle Nathalie, c'est pour l'exportation en France. Certes, je suis d'accord après avec vous pour dire que c'est un gag qui est certes un petit peu problématique de nos jours, mais Ok, alors attends, je sais plus où je suis, là. Ça, c'est les bleus, ok. Mais alors attends, je peux pas me défendre. Je peux pas me défendre contre les bleus. Mais par contre, il faut que les tourelles peuvent les attaquer. D'ailleurs, je crois que c'est important de mettre les tourelles dans cette partie-là du jeu. Parce qu'en fait, si tu les mets pas, tu ne les as pas après pour la phase espace. Et quand tu te fais attaquer, bah, c'est trop chiant quand t'as pas de tourelle. Alors regardez-le. Nathalie en action. Let's go. Ça c'est un peu cool quand même de se faire, de pouvoir crafter ses propres unités, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font grève? Ah mais c'est parce qu'il y a que des usines. Je crois qu'ils sont pas contents de leur situation sociale. Alors bombe gadget, endommage les bâtiments et les véhicules, permet de prendre les villes. Qu'est-ce que ça fait? 16 000. Voyons.
Est-ce que c'est la nuque? Ah, ben la voilà. Allez, salut. Ah ben voilà. Il n'y a plus de problème. Ben vous voyez, elle s'est rendue tout de suite là. Vous avez conquis cette ville religieuse. Alors attends, on est où là? Il y a des gens, il y a des gens vivants encore? Voilà. Ouais, mais nous on n'aime pas la guerre. Nous, le problème c'est que les gens ils veulent pas se rendre. Parce que si les gens se rendaient, il y aurait pas de guerre, tu vois. Est-ce qu'on a l'argent là? 16 000. C'est bon, on va pouvoir refaire la seconde nuke. Il y a pas de système diplomatique sur sport. Petit peu compliqué, je t'avouais. Non, pas du tout de système diplomatique, y a rien du tout. Un sport, c'est très basique comme jeu. Tu peux gagner par des alliances. Oui, c'est vrai, il y a des... Oui, en rachetant la ville. Oui, oui, non, mais tu peux faire plein de choses, hein. Je suis sûr, c'est super intéressant, mais bon. Regardez, bombarder les gens, ça marche bien aussi. Hein. Sinon, j'aurais aussi pu faire une espèce pacifiste, végétarienne. Mais bon, on sait toujours comment ça se termine, un sport, à la fin. Par contre, là, le truc est complètement buggé. J'ai mes les villes de l'ennemi que je prends. Les bâtiments d'habitation là qui ressemblent à des nibars, ils se transforment en... Il se transforme en cup du coup. Vous avez conquis cette ville religieuse, oui bien sûr. Tu sais quoi, on va en garder une religieuse, histoire de... Attends, est-ce qu'il en reste une ou deux? Non, il en reste qu'une. Hein. Voyons, si je fais celle-là, c'est la même, ouais. C'est la dernière ville de l'ennemi. On pourrait peut-être... On pourrait peut-être négocier. Yeah, bien sûr que non, lol. Félicitations, vous la domination totale. Là, j'aime bien parce que ça fait plein de lumière. Voilà. Alors, ça a donné quoi notre évolution? Alors, on a été stable. On a plutôt été stable dans la guerre. Carnivore, prédateur, agressif, militaire, guerrière. It's me. Alors, d'après vous, plutôt de gauche ou de droite ce let's play? Je vous laisse décider. Bon, est-ce qu'on se fait la technomobile? Parce que là, maintenant, il faut faire le véhicule spatial. Ou alors, on fait le vaisseau de Albator. Non, on fait pas ça. Attends, est-ce qu'on pourrait faire l'Odysseus? Non, ce serait trop compliqué. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah ouais, on peut faire des vaisseaux Goa'uld. Ah, un croissant. Ah, c'est Stargate aussi, hein. C'est, rappelez-vous, les chasseurs de la mort dans Stargate, là. Ah, ça, c'est pour faire la fusée des Jetsons. Vous êtes 2% à voir la ref. Les Jetsons, c'est... Là, j'ai vraiment évoqué quelque chose d'extrêmement vieux. Vous êtes 2% à voir la ref, je pense. Une pirogue. Fait une pirogue spatiale, hein, sinon. On va faire ça, hein. Pocahontas de l'espace. Let's go. Ils ont pas compris comment aller dans l'espace. C'est juste, non, mais ça marche pas comme... Ça marche pas, monsieur. Vous pouvez pas... Attends, est-ce que ça bat? Est-ce que si je fais ça, ça bat? Ah ouais, ça bat. Bah c'est parti. Ça fait la planète au trésor. J'ai pas la ref, je l'ai pas vu. Parce que là, on peut pas juste mettre ça en vrai. C'est, on reste simple, comme ça. Je mets ça, là, parce que ça fait joli. C'est pour accrocher l'encre sur les planètes. Non bah c'est bien là, c'est bien, ça c'est bien pour aller dans l'espace. Attends, je vais le mettre en bois. Un bon petit bois saillant là. Par contre la voile, il faudrait une texture de tissu genre. C'est con, bon, on peut pas mettre un symbole sur la voile. Ça c'est con. Attends, eh, mais est-ce qu'on peut pas? Est-ce que je peux pas? Ah oui. Non, c'est le Vietnam. C'est le drapeau du Vietnam, vous êtes cons, vous êtes cons. C'est pas du tout la Russie. Les fameux Vikings du Vietnam. Non, mais moi j'aime bien. Est-ce qu'on fait le Turkish bot? Ah, mais je peux pas le mettre. Je peux pas le. Ah, ça c'est con. J'aurais pu faire un drapeau turc. Mais le problème c'est que je ne peux pas le mettre. Si j'avais pu faire un truc comme. Non, je peux pas. Après, le reste c'est genre. Tu mets ça. Ah, remarque, ça peut. Les ailes d'Astérix là. Je vais les mettre couleur bois. Let's go. Comme ça. Le A longtemps pour enlever la symétrie. Voyons. Non. J'essaye le Q pour voir. Non. J'essaye A plus Q. Non, ça marche pas. Alt F4, oui, bien sûr, trop drôle. Excellent. 97 à appeler, ils veulent récupérer leur blague. Bon, c'est pas mal. Allez, vas-y. On fait les Vikings du Vietnam. Let's go. Les Viet Vikings. Et c'est parti, vous avez mis au point une soucoupe volante capable de voyager dans l'espace, les astres, le cosmos. L'univers est à votre portée à condition de savoir piloter ce machin-là. Bienvenue dans l'espace. Bienvenue dans la phase la plus chiante du jeu. Vous allez y rester 1 million d'années. Mais bon, après, c'est cool parce que c'est vrai que tu peux dézoomer. Regardez, hop, tu vois. Bravo, jeune officier, hein, voilà une belle machine. Vous devriez pour bientôt pouvoir voyager dans l'espace. En tout cas, nous y travaillons. Vous avez déjà piloté une soucoupe? Oui, je sais piloter ma soucoupe, je suis un pro. C'est oui, pas encore, j'ai changé d'avis. Visitons les villes. Non, m'en fous. Allez, vas-y, fous-moi la paix. Oui, let's go. Vous gagnez le titre badge de capitaine. Let's go. Et c'est vrai, bon, pour les gens qui n'ont pas joué à sport, hein, je suis sûr, il y en a dans le chat. Bon, après, t'as tout un tas. C'est là, quand t'arrives, c'est la dernière phase du jeu. On arrive, t'arrives là, tu peux crafter des armes, tu peux te faire des outils, tu peux coloniser des planètes, tu peux changer l'atmosphère sur les planètes. Tu peux tellement faire de choses quand t'arrives dans cette phase, mais le problème, c'est que tu fais toujours la même chose. Mais c'est vrai que t'arrives là, et tu te dis, let's go. Ok, c'est pas mal. Il y a le système solaire.
Mais est-ce que je peux aller plus loin ? Ah, c'est vrai que j'avais oublié le système de planète T1, T0, T3. Le radar de la soucoupe indique quelque chose. Ah non, il y a ce truc de merde, je m'en souviens. Ah oui. C'est une soucoupe écrasée, elle émet un étrange signal radio. Voler jusqu'à elle et utiliser scanner. Alors, scanner. Des étrangers, là, sans vie, il semble qu'ils aient laissé une carte secrète. Attendez, l'épave va déclencher un rayon de capture, des objets montent à bord. Non, mais après, c'est vrai que quand t'arrives à cette phase, t'étais comme un ouf. Des missiles, un moteur interstellaire. Le moteur interstellaire correspond aux données de sa mémoire, sûrement celle de sa planète d'origine qui a probablement toujours besoin qu'on l'aide. Ouais, c'est là. Quand t'arrives là, tu te dis, ok, bah let's go, j'ai tout ça à faire. Là, ça rend ouf. Quand tu te dis que chaque point, chaque putain de petit point est un truc à faire, c'est là où tu fais, bon, ok, j'ai pas 8000 heures devant moi. Mais ouais, c'est Stellaris avant l'heure finalement, quand tu regardes. Sauf que dans Stellaris, c'est les planètes, tu peux pas vraiment, enfin tu peux aller dessus, mais c'est des trucs Excel. Là, les planètes, elles sont modélisées, tu vois. Mais bon, après, je pense que c'est évidemment procédural, bien sûr. Go au centre pour le secret, mais oui, mais il faut 50 000 heures pour le faire, en fait. Après, il y a la Terre. T'as vraiment le système planétaire avec la Terre, tu vois, t'as Saturne, Mars, la Lune, etc. Mais bon, on va pas tout faire, hein. Parce que là, moi, on arrive au passage où ça me saoule, en fait. Mais après, c'est cool, t'as des trucs rigolos, tu t'amuses à voir, tiens, est-ce qu'il y a des planètes avec... Est-ce qu'il y a des planètes avec de la vie ? Est-ce qu'il y a des trucs avec des fois, t'as des systèmes binaires, c'est très très rare, mais... Il y a un petit côté No Man's Sky, effectivement, bah c'est procédural, hein, de la même planète que No Man's Sky, finalement. C'est le meilleur moment du jeu, tu terraformes des... Ouais, alors le truc, c'est... Enfin, moi, ok, t'apprécies, c'est cool, mais moi, c'est aussi le moment le plus répétitif du jeu, en fait. C'est que quand tu terraformes des planètes, machin, etc., tu t'amuses... Tu conquiers 2-3 systèmes, et après, tu te rends compte que c'est tout le temps pareil, t'en as marre, quoi. Ça, c'est marrant. Ah ! Juste se rendre sur des planètes pour le fun et d'éradiquer les animaux, ça c'est drôle. Ça, là on se marre. Ou alors, sinon, il y a un truc qui est rigolo. Tu soulèves les animaux avec le rayon tracteur et tu les hits. Juste, tu les hits pour qu'ils meurent en s'écrasant par terre. C'est rigolo. Ah bon, on a tous notre fun.